Un deuil difficile à faire. Le 19 janvier dernier, Gaspard Ulliel est décédé, victime d'un tragique accident de ski, alors qu'il passait quelques jours de vacances en compagnie de son ancienne compagne Gaëlle Pietri, et de leur fils Orso. Près de 4 mois après la disparition du comédien, la mannequin corse a décidé de prendre la parole sur son compte Instagram. Elle a ainsi publié un long texte en légende d'une jolie photo de Gaspard Ulliel et du petit Orso. Gaëlle Pietri est notamment revenue sur le jour où l'acteur s'en est allé. L'événement de son départ nous a touchés de manière directe et individuelle sans que nous ayons pu avoir le temps d'une préparation ou même d'une organisation, a-t-elle écrit, avant d'ajouter, au cours de ces pénibles moments nous avons toutes et tous fait de notre mieux pour honorer la présence de chacune et de chacun autour de sa dépouille. Les obsèques de Gaspard Ulliel se sont tenues le 27 janvier à Paris, en l'église Saint-Eustache. Une cérémonie à laquelle ont participé de nombreuses personnalités, bouleversées par cette mort soudaine. Il a ensuite été incinéré et inhumé au cimetière du Père Lachaise. Gaëlle Pietri, je suis heureuse que Gaspard et Vicky Krieps se soient soutenus. Gaëlle Pietri, qui a vécu une belle histoire d'amour avec Gaspard Ulliel de 2013 à 2020, a également souhaité répondre aux rumeurs concernant une possible relation entre son ancien conjoint et la comédienne luxembourgeoise Vicky Krieps, qui aurait débuté après le tournage du film Plus que jamais. Personne ne partageait la vie de Gaspard au moment du drame. Il nous incombe donc avec les parents de Gaspard de protéger sa mémoire ainsi que l'avenir d'Orso, a poursuivi Gaëlle Pietri, assurant respecter la dignité de toutes les personnes qui ont croisé et accompagné Gaspard au cours de sa vie. Je suis heureuse que le film Plus que jamais soit en sélection au Festival de Cannes. Je suis également heureuse que Gaspard et Vicky Krieps se soient soutenus sur ce tournage, a ajouté Gaëlle Pietri. Le film Plus que jamais, dernier long métrage de Gaspard Ulliel, sera présenté lors du prochain Festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard. Loading Widget.